Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier JT Comics, le journal qui reviendra sur l'actualité du monde des comics de la semaine. Alors, aujourd'hui, vu que c'est le premier, je vais peut-être revenir sur des actualités un petit peu plus anciennes. Mais après tout, je fais ce que je veux, c'est mon JT, donc j'ai le droit. Enfin, peut-être pas exactement ce que je voulais, parce qu'à la base j'avais une autre idée, mais... Oui, moi à la base, je voulais garder cette petite moustache en hommage au rédacteur en chef du Daily Bugle, mais de vous à moi, je crois que les gens n'apprécient plus du tout Jonah Jameson, car tout le monde me regardait de travers dans le métro, dans la rue, quand je conduisais, quand j'allais manger à McDo. Bref, du coup, j'ai complètement abandonné l'idée. Sans transition, voici les news de la semaine. L'austérité chez DC Comics, le groupe vient d'annoncer qu'il était en retard de 2 millions de dollars sur le budget prévisionnel de 2015. En cause, notamment, le déménagement des studios entre New York et Burbank, qui pourrait expliquer une partie de ces pertes financières. Alors, je devrais peut-être pas vous le dire, c'est vrai qu'on n'est pas censé parler de la vie privée, mais la semaine dernière, j'ai aidé mon cousin à déménager entre Marseille et Aubagne, il y a une vingtaine de kilomètres, et là, le soir, quand on a fait les comptes, eh ben, il nous manquait 2 millions de dollars. On sait pas où ils sont passés, quoi, entre l'essence et... Ah, la vie est chère, hein. Les conséquences de cette crise financière, eh bien, 8 titres seront amenés à s'arrêter d'ici à la fin de l'année, le mois de décembre 2015. Voici la liste, donc il y aura Justice League United, Gotham by Midnight, The Omega Men, Lobo, Doomed, Green Lantern Lost Army, Batman 1966, Sensation Comics featuring Wonder Woman. N'ayez crainte, pour combler ces pertes, DC Comics prévoit de lancer 8 nouvelles séries et le comité des comics vous a obtenu les titres en exclusivité pour vous. Batman The Dark Knight, Before, King Batman, Batman Love Story, Batman Dollar Bill, Batman vs Batman, Batman and the Batcave, Batmania, a musical, et The Batman Show. Et puis après tout, si DC Comics est ruiné, ça donnera enfin une bonne raison aux super-héros de se balader en slip. Puisqu'on en revient toujours au slip. Panini sort un 7e Marvel Deluxe consacré à la Civil War. Ce mois-ci, Panini Comics a annoncé la sortie d'un 7e Marvel Deluxe consacré au crossover Civil War. L'ouvrage retrace le prélude du conflit et compile les numéros 529 à 531 de Amazing Spider-Man, le one-shot New Avengers Illuminati, les numéros 536 et 537 des Fantastic Four, ainsi que les numéros 1 à 6 de la série New Warriors. Ah ! Et priorité au direct, on apprend qu'un homme vient d'être placé en cellule de soins psychiatriques après cette annonce. Il aurait... essayer de faire rentrer les 7 Marvel Deluxe à l'intérieur du coffret collector qui était sorti il y a quelques années. Ses voisins ont été alertés par ses hurlements. Nous lui souhaitons un très bon rétablissement. Matt Banning se fait voler des œuvres à la Long Beach Comic Con. C'était la Long Beach Comic Con il y a à peine une semaine, et l'artiste Matt Banning se souviendra longtemps de cet événement. En effet, celui que l'on surnomme Bat, et qui a travaillé chez Topco, chez Marvel et chez DC, s'est fait dérober des affiches et des sketchbooks et d'autres effets personnels. Il avait pris le soin de tout ranger à la fin du premier jour de salon dans une valise fermée sous clé qu'il avait laissée en attendant le lendemain sous sa table. Seulement quand il est revenu, il n'y avait plus de valise. Fort heureusement, l'artiste avait pris soin de garder avec lui ses planches originales. Voici quelques-uns des dessins volés que Bat a laissés sur les réseaux sociaux pour nous permettre de les identifier sur les réseaux de sites de vente aux enchères. Et j'ai un message important. Si vous veniez à retrouver certains de ces dessins, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous communique mon adresse personnelle et je me ferai un plaisir de faire l'intermédiaire entre vous et l'artiste. Non, n'hésitez pas. Appelez-moi, surtout si vous trouvez le Batman, hein, parce que j'ai un trou dans ma chambre et enfin voilà. C'est la fin de ce premier JT Comics, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain JT.